dans la originalité, la créativité, et de chercher des idées pour le costume, pour le cheveu, pour tout le plus original possible. Mais je suis très contente avec son façon d'exprimer et son courage qui a vraiment développé son confiance en eux d'explorer des choses nouvelles. Il y a tous les différents niveaux qui dansent devant vous ce soir. Les barrés ne sont pas finis. Il y a encore deux spectacles avant de nous montrer. Non, il y a juste un spectacle de plus avant de nous montrer le travail complètement fini avec costume, avec lumière, avec maquillage. Je pense que c'est fin mai. Il y a la semaine de la danse et fin mai c'est la parapluie et fin avril c'est la semaine de la danse à la manufacture. Tous les travaux cette année, c'est vraiment concentré sur le travail personnel de Isabelle. Surya, cette année, travaillait avec Patricia et je veux parler un peu de son travail et ce qu'elle a fait avec Niveau Supérieur à la manufacture. Oui, donc cette année, je travaillais avec Patricia sur les élèves en formation à la manufacture. Alors, du coup, on a travaillé d'abord sous forme d'atelier. Mon thème, c'était qu'ils puissent faire ressentir au public le sentiment d'attachement qu'on a pour les personnes qu'on aime. C'était tout simplement ça. Alors, j'aurais fait deux par deux, travailler sous forme d'atelier juste pour que je puisse voir s'ils avaient difficulté à exprimer simplement, juste par le visage, de l'attachement ou pas. Très très simple. Puis le but c'était qu'ils retrouvent ces éléments-là pour interpréter ma propre chorégraphie. Et au final, c'était de leur demander de faire leur propre chorégraphie comme ça. Dans le ballet, j'ai une fois mon style de danse et leur style de danse que je peux fusionner en essayant de garder comme thème l'attachement. Voilà, c'était ça. Et voilà. Thank you.
Oh.
structure intérieure. So, il n'y a pas juste une groupe après un autre, mais un vrai structure avec un milieu, un début et une fin. Mais je suis contente. Thank you.
Thank you.
spectacle vivant. Je suis un spectacle vivant. Tu n'es pas devant ta télévision. Je ne suis pas un spectacle d'illusion. À quoi tu t'attendais? Du grand, du beau, du fort, de l'incroyable, de l'extase visuelle. Tu sais, dans la vie, on n'obtient pas toujours ce qu'on veut. Détache-toi de tes attentes. Raccroche-toi à tes sensations. C'est là que tu trouveras l'extase. L'extase de l'instant. Écoute, regarde-moi. Je veux que tu me regardes. Je te souris. Laisse-toi imprégner par mon sourire. Sens ma présence. Enivre-toi de mes mouvements. À cet instant, c'est toi. Accepte. Partage. Écoute, j'ai quelque chose à te dire. Tu vois cette pomme devant toi? Cette pomme sans fin qu'elle a dit que tu veux croquer sans modération? Mais non, putain, je te parle pas d'alcool. Regarde comme je m'élance. Regarde comme je cours. Regarde comme je saute. Regarde comme je vis. La flamme qui m'anime s'alimente du plus bel engrais qui soit. Ai-je besoin de te le préciser? L'amour la rend vide et forte. Ne crois pas essouffler de ton désir humain égoïste. Laisse-la vivre. Survivre. À ce moment précis, férocement elle s'agite. Quand je serai grande, je voudrais travailler dans un cirque. Ah non, je sais! Je voudrais sauver les chimpanzés en Afrique. On est tous là, là. On te regarde, c'est ton moment. Mais allez, vas-y, que t'attends? Allez, lance-toi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux exactement? Dis-nous, là, regarde. On est là, on attend. Dis-nous ce que tu veux. Tu veux danser, c'est ça? Ben, vas-y, danse. Vraiment, qu'est-ce que tu veux? Tu veux sentir? Tu veux sentir, c'est ça que tu veux? Eh ben vas-y, lance-toi! Allez, danse! Non mais danse vraiment, allez, lance-toi, vas-y! Allez, sens-le!